Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer un devoir sous forme de photo ou de document. Donc la première chose à faire, c'est de vous connecter à Classroom et vous arrivez sur cette page. Donc vous voyez nos petits commentaires. Vous voyez que en haut de votre écran, vous avez Travaux et devoirs et vous cliquez dessus. Là, tous vos devoirs s'affichent. Ici, on n'en a qu'un pour les 4 TQ. Donc c'est Portfolio et Croquis. Donc soit vous cliquez sur ce devoir, soit vous cliquez au-dessus Afficher votre devoir. Ensuite, vous marquez Afficher les détails. Alors vous arrivez sur cet écran, votre devoir, et vous allez pouvoir en ajouter ou le créer. Si vous êtes sur un ordinateur, ce petit encart se trouve à droite de votre écran. Donc vous cliquez sur Ajouter le devoir, et là vous arrivez sur Fichier, Doc, Lien. Si c'est une image que vous voulez nous montrer, vous cliquez sur Fichier. Si c'est un document, vous cliquez sur Document. Donc ici, je vous montre comment importer une image. Importer, ça veut dire qu'on va prendre des fichiers de votre appareil et les mettre sur Classroom. Donc vous sélectionnez et vous sélectionnez Fichier. Une fois que nous arrivons dans vos fichiers, vous allez avoir accès à toutes vos photos et vous allez importer donc une image. Vous n'oubliez pas, pardon, de marquer Importer en bas de votre écran à gauche et l'importation se fait. Votre devoir alors est en train de se télécharger et se mettre sur Classroom. N'oubliez pas de mettre Rendre le devoir ou si vous n'avez pas fini, Ajouter une image. Voici, au revoir.